éducation, la commune rurale de Zamnogo, dans le Kadiogo, aura bientôt une école primaire publique. Pour le moment, le projet est au stade de signature de convention de financement et c'est chose faite. L'ambassade du Japon au Burkina soutient l'association Sinilabé avec une enveloppe de 59 millions de francs CFA. Le point avec Maïmouna Gira et Zalissa Sanfo. Cette signature apposée ici marque le début du processus de construction d'une école primaire publique à Zamnongo, commune rurale de Komsiliga, dans la province du Kadiogo. Par cet acte, le Japon répond ainsi à la préoccupation de l'association Siniabe et des autorités locales. L'éducation occupe une place primordiale dans la formation de capital humain. Sur la base de convictions, le Japon considère que l'éducation des enfants est la clé pour le développement durable et puis la réduction de la pauvreté. Ce don d'une valeur de plus de 59 millions de francs CFA est destiné à la construction de 6 salles de classe, d'une cuisine et de 2 latrines. Dans les prochains mois donc, c'est une nouvelle école qui sortira de terre au grand bonheur des élèves et des enseignants. Le village de Zamnogo, c'est un village qui n'a pas d'école. Les enfants sont protégés. Parcouru de longues distances pour aller fréquenter les écoles situées à des dizaines de kilomètres. Du coup, il y avait un problème d'insécurité qui se posait, donc, qui était devenu une préoccupation pour les parents d'élèves. Donc, je peux dire que ce matin, vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime à travers ce don que l'ambassade du Japon met à la disposition de l'association. Cette action entre dans le cadre du programme de coopération financière du Japon intitulé « Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ».